Nathan et Roman qui vont communier pour la première fois. Après le baptême, c'est une étape importante de leur vie de chrétien. Nous sommes heureux avec vous, famille, compagnons, amis, prêtres, catéchistes et communauté paroissiale ici présents, d'en être des témoins et de partager leur joie. Nous entrons dans la célébration par un premier geste, le signe de la croix. C'est le signe des chrétiens, du rassemblement des chrétiens. Nous traçons ce signe sur nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Je crois en Dieu, le Père puissant.
sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils près de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples. Et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa vie divine. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir.